Au moment où je parle, le Saint-Esprit me dit, il y a une femme ici. Ils ont décidé de la sacrifier. Et depuis qu'ils ont décidé de la sacrifier, c'est une femme qui prie. Mais je vois que cette femme aussi a une origine musulmane. Ils ont envoyé des maux de tête à cette femme. Et des maux de ventre. Et quand elle entre la nuit, c'est cette fête femme. Elle fait de mauvais rêves jusqu'au matin. Et cette femme, elle s'appelle Mariam. Et cette femme est ici. Prophétie, man of God. Zoom, 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 zoom. Avance, papa. Amen. Faites la bénie. Madame. Madame. Quel est ton nom? Hein? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame très fort, bien aimé. Acclame très fort pour Jésus. Est-ce qu'on se connaît? Donne me tap. Hein? Est-ce qu'on s'est déjà parlé? Madame, je vois que tu es attaqué depuis plus d'un mois, tu as mal à la tête. Parle très bien dans le micro. Elle confirme. Et des mots de ventre. Et des mots de ventre la nuit. Can I prophesy? Prophesy, madame, si tu n'étais pas venu ici, il y a des sorciers qui ont décidé de te sacrifier. Quand tu rentres la nuit, tu ne peux pas dormir. Je vois que tu as des origines musulmanes. Mais actuellement, tu es dans la prière. Je te vois prier. Je te vois intercéder. Tu aimes le Seigneur. Mais quand tu t'es converti, ta famille s'est opposée. Hein? Vérité, papa. Avance seulement. Le prophète de l'Éternel. Le Seigneur me dit, cette femme qui s'appelle Mariam, Dieu veut te faire grâce aujourd'hui. Tu es en train de souffrir. Financièrement, ça ne va pas. Attaque au niveau de ton mariage. Où est ton mari? Tu es veuve. Le Seigneur va te restaurer aujourd'hui. Et tu n'acclames pas pour ceci. Acclame bien, bébé. Amen. Le Saint-Esprit me dit, il y a une œuvre d'intercession sur ta vie. Madame, écoute-moi très bien. Dieu veut te visiter aujourd'hui. Les sorciers qui t'attaquent sont dans ta propre église. Ta prière les dérange. Et tu n'es pas la seule à être attaquée. Le pasteur est attaqué. La femme du pasteur est attaquée. Confirmation. Acclame pour Jésus. Ah, c'est votre petite soeur. Elle ne voulait même pas venir. Viens. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui même, le Seigneur va te libérer. Toutes ces maladies vont partir. Maman, tu as combien d'enfants? Tes enfants sont où? Au fait, tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants. Tu es en train de t'inquiéter. Mais Dieu me dit de ne pas t'inquiéter. Dieu va bénir tes enfants. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Dieu va bénir tes enfants. Dieu va bénir tes enfants. Dieu va bénir tes enfants. Maman, c'est quoi? Pourquoi je vois un commerce? Qui fait le commerce? Parle bien dans le micro. C'est moi. Qu'est-ce que tu vends? Des au fait, il y a trop d'argent dehors. Il y a trop de crédit. Ton activité est en train d'aller en faillite. Mais si je suis un prophète, si je suis un prophète, maman, dans 3 mois,
tu vas donner un témoignage. Tu vas donner un témoignage. Tu es en train de restaurer tes activités. Je vois un nouveau moyen de déplacement. Quelqu'un t'a promis ça. Maman, tu veux quoi? Scooter, c'est ce que je vois. Maman, la scooter est de couleur blanc bleu. Et regarde encore ce que je vais te dire. Il y a une nuit, ils sont venus attaquer tes yeux. Depuis lors, tu ne vois pas très bien. Mais quand tu te réveilles le matin, tu vois flou. Le soir aussi, tu vois flou. Mais tu pries tout le temps pour que ça ne s'aggrave pas. L'ange est en train de retirer ce qu'ils ont mis. Hey! Après ce programme, tu donneras un témoignage. Reçois. Laissez-la. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame très fort pour Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Là où tu es, la faveur de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Quelle que soit la situation, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Là où ils ont amené ton étoile, je déclare au nom de Jésus, ton étoile sort. Ton étoile sort. Ton étoile sort. Ton étoile sort. Recevez.